Ok. Bon, alors apparemment, le niveau d'aujourd'hui est un bourbier. On va voir ça. Moi, je comptais faire une session avec plusieurs niveaux, mais apparemment, ce sera peut-être pas possible. Le chemin, je vais dire par là. J'ai pas activé les marmites, enfin les chaudrons là. Donc j'ai la flemme. Je crois que c'est par là. Faut que je me souvienne du chemin, en fait. Il y a un endroit où j'ai peur de pas me souvenir du chemin. Là, c'est là. Ok. Là, je dirais que c'est tout droit. Ah, quoique c'est peut-être pas tout droit, cet endroit-là. Attendez. Il y avait un bail avec de l'eau à un moment. Non, il n'y a plus rien après. Si, il y a encore là. Non, c'est dans la salle d'avant, c'est bon, ça me revient. Évidemment, je rappelle pour l'ensemble du chat que nous sommes sur une session sans backseat, à moins que je vous demande explicitement de l'aide, évidemment. Mais sinon, c'est full sans backseat. Alors oui, ça fait des VOD un peu longues, mais c'est comme ça. Et donc là, juste, je regarde juste vite fait ce qu'il y avait ici. Je crois que c'est juste un chaudron, là. Ouais, c'est un chaudron qui est dans la toile. Ok, donc c'est là la suite. C'est ça. Et le niveau va être... On peut monter à la surface ou pas? Eh hey. On n'est jamais allé là. On n'y est jamais allé. 100%. On peut faire un petit tour vite fait pour voir à quoi ça ressemble. Par curiosité, là on voit qu'il y a des... D'accord, c'est vrai que ça j'en ai un peu rien à foutre. Y'a rien? Ils sont chiens à pas pouvoir faire tourner la cam en vrai, je trouve. Du coup, on comprend pas du tout. Ouais, voilà, d'accord. Mais bon, de toute façon, on reviendra plus tard. Mais on a tellement tout fait à 100% que techniquement, on pourrait complètement skipper ce niveau, quoi. D'un point de vue purement théorique, on pourrait skipper ce niveau. Quoi, 30 secondes? 30 secondes pourquoi? 30 secondes pour ouvrir la porte? Bah je vais y arriver. C'est juste ça? Aïe. Pff, on reviendra plus tard. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas intéressé pour l'instant. Donc... on sait que ça existe en tout cas. Et donc moi je crois qu'il faut aller par là. Bon. Les amis, je crois que c'est le moment. C'est le moment du bourbier. Musique banger par contre, hein, désolé mais... Monsieur gouré de bouton, c'est la reprise. Oh
Oh, y'a de la TNT, c'est Crash Bandicoot ou quoi? Ah merde. Ok, c'est des bombes quoi. D'accord que aller dans l'eau, c'est so long, hein. En fait, bah en vrai, faudrait peut-être mieux essayer maintenant, ceci dit. Cette eau est sale. Elle est polluée. As-tu du mal à respirer? Ouais, d'accord. On nous la conseille pas spécialement, quoi. Je vois. J'essaye de faire des attaques rodéo dessus, mais j'ai l'impression qu'on peut pas. Vas-y, on va aller là maintenant. Ah ouais. Ah mais ils courent vite les ennemis. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe GTA. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que les seuls autres jeux vidéo dans lesquels je suis allé sur des bateaux, c'était dans les GTA en fait. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a... En fait, c'est le style de bateau en fait. Ce style de bateau là, je trouve qu'il y a un truc. Il y a un truc très les GTA de PS2 quoi. J'ai tellement appuyé sur l'attaque bien avant, je comprends pas ce qui vient de se passer, mais vas-y, c'est pas grave, tranquille. On va dire que le jeu est pas cheaté. Bon, je comprends rien à ce qu'il faut faire, hein, mais vas-y, tranquille. On va explorer comme d'hab. On va essayer de trouver des indices. Et de pas rater de notes aussi, hein. Attends. J'ai peut-être fait une connerie en allant par là. Non, attends. On est obligé de se faire démarrer par les caisses, quoi. Ouais, bah ouais. Ok, cool. Franchement... Ah, il y a encore ce bruit-là. Putain, il y en a un là, j'avais pas vu. Mais vas-y, je comprends pas ce truc de... Je fais l'attaque, le monstre il sort et il me ratio. Vraiment, c'est trop énervant. C'est juste, en fait, je pré-shot son attaque parce que je suis trop fort. Et du coup, c'est moi qui devrais avoir le truc. Mais bon, bref, vas-y, hein. Là, y a pas un petit truc caché là. Voilà. Ouais, en fait, je pré-shot trop pour le jeu, hein, c'est tout. Hein. C'est juste mon niveau, il est trop élevé. Ils avaient pas prévu ça, en fait. Regardez. Là, en fait, si je commence à faire l'attaque directe, c'est lui qui va me ratio. Putain, ça a pas du tout marché la fois où je voulais faire ma démonstration, comme par hasard. Un peu sus. Comme par hasard. Étrange.
Bizarre. Le geste précis, efficace, répété. Merci Ninoué pour l'abonnement de niveau 2 et merci pour le troisième mois, viveuse de l'ombre depuis longtemps. Merci pour tes vidéos et tes streams chill. Merci infiniment, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Attends, j'étais arrivé par là moi ? Ah ouais ? oui, les devs ils suivent le live pour faire le patch évidemment. Ah ouais, on était vraiment arrivé par là, ok. 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 Bah vas-y, pour l'instant je vois rien d'autre ici à faire. Mais là il y a des patchs à faire effectivement, j'espère que ça va être fixe assez vite. Pas ça. C'est quoi le bouton déjà pour faire une attaque là ? Voilà ! C'est ça qu'on veut. Cette semaine, on ne va parler que de ça. Merci Yamagic pour le 34e mois, merci beaucoup. Ok. Pourquoi ça sent le bourbier cette affaire ? Déjà, ça c'est fait. Ok, il y a vraiment une vibe Crash Bandicoot, hein, définitive. Quoi ? Ah, c'est Greg Guillotin aux commandes, putain. C'est quoi ce truc de malveillance extrême en termes de platforming là ? Pardon ? Attends, sérieux là ? On va vraiment devoir faire ça ? Bonjour, il y a des man, je sais même pas qui c'est, j'ai jamais fréquenté ses ennemis moi. Ok, ça va, il est tout simple à battre. T'es obligé de faire ça en premier. Tu n'es pas au bout de tes surprises. No spoil, no spoil, no spoil. Hein. Mais ça sent le truc qu'on va forcément mourir. Ah ! C'était rapide. C'était rapide. C'était rapide. Ok, on va commencer par ça du coup. Donc là, on est d'accord, juste le... On est d'accord que le truc en haut là, je l'ai déjà récupéré du coup hein. Bon, on va vérifier une fois, oui. D'accord. Putain, j'espère qu'il n'y avait pas des notes de musique en haut, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute sur la présence de notes de musique en haut. Vas-y, par contre. Ça, c'est vraiment un truc. Alors ça c'est vraiment un truc que je trouve ultra frustrant dans le jeu. Je sais pas pourquoi. Des fois tu mets la vision première personne et après quand tu appuies sur B pour l'enlever, il saute dans le vide même si tu touches pas le joystick. Mais oui mais non mais c'est pas moi en fait, juste c'est pas moi, c'est genre juste j'ai appuyé sur B pour enlever la vue
première personne. Et juste, il me fait tomber. C'est nul. A priori, y a pas de note de musique, hein. Ah ouais? Non, y a pas de note. Je vais être franc, celui-là, je vois pas trop comment tu le chopes sans crever en vrai, mais vas-y, hein. Ouais. Ouais, ça, j'ai pas encore essayé de tomber dessus. On va se taper un bon game over, là. Un vrai, pour une fois. J'espère que ça fait rien de spé, mais en vrai, je pense pas, hein. Je pense que c'est un peu à la Mario 64 et compagnie. Y a rien d'autre à faire que de persévérer, hein. Le niveau est bien, mais trop punitif. Ouais, un respawn au début de la zone, là, ça aurait été pas mal déjà. Bon, en vrai... Ok, ça c'est juste pour nous faire patienter avant de mourir. Allez, le premier vrai game over, je crois, depuis que je joue au jeu. J'espère... Est-ce que ça me l'a sauvegardé, vous pensez, le truc que j'ai chopé? Le tout dernier truc que j'ai chopé, est-ce que ça me l'a sauvegardé? Je suis pas sûr, en vrai, je suis en train de me dire. Je sais pas comment fonctionnent les sauvegardes dans ce jeu. Le jeu qui te fait croire que tu peux remonter, mais c'est ça? Ouais, Félix, je joue au meilleur jeu, mais je me galère, hein. Là, on est sur du très très difficile, quand même. Oh. 14 heures de jeu déjà, ouais, et peut-être encore plus en réalité, mais ouais, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Après, je sais pas avec les game over justement s'il y a des trucs qui sont pas comptés, mais ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Ça va, on commence à s'y retrouver, hein, en termes de chemin. Regardez, là, va falloir aller à gauche. Ici. Hop. Je commence à connaître, hein. Et regardez là. Aucune hésitation, il faut aller là. En vrai, pour la première fois, ce serait utile d'aller farmer des vies, limite. Mais sors, son destructeur. 1, 2, 3, pan. Tu meurs. Bof. Pas terrible, en vrai. Je suis désolé, mais... Pas ouf, je trouve. Ah, on a que 3 vies au début, putain, ça va être si long. Pouf. Ça va être si long s'il faut respawn à chaque fois. C'est là qu'en vrai, des petites sauvegardes rapides, bon. Mais non, on va pas faire ça.
On va pas faire des petites sauvegardes rapides. Nous, on joue à l'ancienne, nous. On t'autorise, ouais, mais moi je m'autorise pas. Alors, qu'est-ce qui a été sauvegardé? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Je suis mort. Alors, je suis pas mort, mais chaud quand même. Donc ça, déjà, c'est bon. Celui-là, il est bon. CFF? Oh, oh, le... Ça, tu sais, je suis vraiment en mode... J'ai pas envie de me retaper tout le trajet dans le hub, je fais tout ce que je peux, mais ça marchera pas tout le temps, hein. Wesh. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais putain, non! Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il... mais vas-y, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop sensible. Mais il tombe sur du... mais il tombe sur du rien. Mais c'est FF. Mais on est foutu. C'est quoi ce niveau de gros tryharder là? Un peu tôt, mais ok. En vrai, j'ai le temps d'y aller, mais... Oh non, arrête, je l'adore ce niveau. Mais c'est super dur! En vrai, il a pas l'air mauvais, mais il a l'air trop difficile pour quelqu'un qui veut tryhard le 100%. C'est comme ce truc-là, là, ce truc devant, là. C'est quoi, les bails? Bon, déjà, vas-y, juste... On va essayer de passer là sans tomber, déjà. Non, non, en vrai, le niveau est quand même très dur, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ça dont je parle! Donc là, j'ai plus qu'une vie, là. Ouais, non mais en vrai, vas-y, c'est injouable. C'est injouable! C'est que des timings de chien, j'ose le dire. Timing de clébard, je suis désolé. C'est quoi les bails là? Attends, avant de faire un... Ok, y'a rien en haut, d'accord. Mais la caméra elle est infecte et j'arrive pas à le... Ouais, là c'est à peu près droit, vas-y, là c'est à peu près droit. On va partir là-dessus. C'est quoi ça? Ok. J'ai l'impression que cet endroit-là sert à rien, mais... Mais je peux me tromper. Il s'arrête jamais ce truc en plus? Oh, laisse tomber, ça sert à rien. J'ose pas traverser à cet endroit-là, ça se trouve c'est avec la plume d'invincibilité, mais je sais pas. Là, je sens juste qu'on va se prendre un bon... Mais pourquoi il s'arrête plus de...
ça me fait tellement câbler. Ça me fait tellement câbler, mais je suis tellement pas prêt pour ça ce soir. Oh là là, je vais tellement full tilt tout le temps. Je suis désolé, je vais être insupportable. Ah, c'est une cata. Non, c'est pas prévu que je fasse Banjo-Tooie pour l'instant. Déjà, une purge à la fois, s'il vous plaît. Il va falloir que je sorte le bol, là. Putain, j'ai pas mon bol avec moi. Oh là là. Oh là là. C'est dur. Ok, je pouvais pas appuyer pour amortir. Très bien. De toute façon, au point où on en est, hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai pas l'habitude de devoir autant tryhard. Non, là j'y vais pas là. Non, là j'y vais pas. Regardez là, il s'arrête plus comme avant le truc maintenant. Tout cela va dans le bon sens. Alors évidemment, on peut se demander pendant. Merci, 5 ans Captain Niglo, pour les 10 subs offerts. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part. Merci. Mais regardez, maintenant, il n'y a plus le. Il s'arrête plus comme avant. Comme si c'était pas déjà assez dur avant. Et là, il s'arrête bien. Je comprends rien. Je comprends rien, frère. Ça, on récupérera plus tard en vrai, hein. Vas-y, hein. Attends, quoi? Attends, c'est quoi le bourbier? Et pourquoi la cam veut pas se mettre derrière Banjo correctement déjà? Bon, vas-y, on va dire que c'est à peu près correctement là. C'est quoi le bail des hélices là? Mais je comprends même pas où faut aller, putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Faut aller où? Je sais pas, frère, on sait rien. Ah ouais? Attends, c'est pas ça là qu'il fallait faire? Je comprends rien au jeu, putain. Tu es lent, sans aucun doute. Les moteurs sont en route. Ouais. Oh, j'en ai ras le cul. Oh, j'en ai ras le cul, je comprends rien à rien. Oh là là, comment ça me casse les couilles. Oh, c'est quoi ça?
Tu as l'air de tilt autant que moi sur le niveau de la chaufferie de Luigi's Mansion 3. Franchement, c'est même, même délire un peu, hein. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est il est où le truc que le jeu nous affiche. Parce qu'en fait, là, est-ce qu'on n'est pas dans une zone où on n'a aucune idée de ce qu'il faudra faire? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Moi, c'est pas clair, hein. Le chou farci. Merci Mister Alex pour les pour le chou farci, bien sûr. Bon, vas-y, hein. Allez. 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 On va faire les autres salles, on va faire les autres salles. Enfin, après, s'être tapé tout le chemin, bien évidemment. En vrai, le niveau où j'ai le plus galéré, c'est le manoir. Manoir, je suis même pas mort une fois dedans. Si, je suis peut-être mort une fois dedans. Je suis peut-être mort une fois dedans, mais même pas sûr. Allez, c'est reparti pour tout le trajet. Une troisième fois. J'ai vu ta rediff, tu n'es pas mort dans le manoir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Franchement, les sauvegardes rapides, c'est sympa. Il me manquait une seule note et j'ai jamais su où il fallait que je recommence tout. Ah, peut-être le labyrinthe. Mais merde! Mais ouais, c'est chiant ça quand ça arrive. Bon, allez, on y croit, hein. Le trajet est tellement long. J'avoue qu'une petite sauvegarde à l'entrée du niveau, ça se fait. Non, c'est pas cool. Bon, alors du coup, on va explorer d'autres trucs. C'est ça le projet, là. C'est quoi cette caisse de TNT là? J'ai quand même envie de... Eh, si je suis monté jusqu'ici pour ça, ça va pas le faire, hein. J'ai combien de... Ouais. Il y avait deux façons de passer en plus, mais ça a chier.
Non, ça je l'ai pas. Ok, ça va. Ok, donc ça fait vraiment rien d'appuyer sur la caisse qui s'appelle littéralement TNT. Par contre... Attendez. Non, je pense que ça se tente pas, ça. Je fais de la merde, de toute façon. Bon, j'ai juste perdu une vie, en vrai, c'est pas bien grave. J'ai trop hésité. Attends, c'est trop grand. C'est quoi ça? Ça va être 1 après. 3. 1. 2. 1. 3. Non. 3, 1, 2. 3. 1. 2. 1. 1. Wouah, je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. 1, 2, 1, 1, 2, dommage. Je suis en full brute force là. Hein. Je sais plus. Hein? Putain, c'était encore 1. Ah, c'était encore 1. Ah, c'était encore 1. Ah, les bâtards. Je l'avais fait comme ça aussi. Bah, j'avoue que là, avec le nombre de trucs qu'il y a à faire et le fait de devoir balayer toute la map, c'est un peu tentant hein, quand même de faire de cette façon-là, hein, j'avoue. Hein. Merde. Alors, il était où ce truc? Je sais même plus où c'était. J'ai des doutes, j'ai l'impression que c'était pas du tout là. C'était tellement pas du tout là. Ok. On va quand même passer là vite fait. C'est difficile de pas se perdre avec la cam et tout, je trouve, un peu. Donc là, il y a une cage... Ok, ah oui, c'est là. Alors... C'était donc... 3... 1... 2... 1... 1...
Enfin, trop bien l'énigme là. J'ai l'impression d'avoir vraiment trop bien joué en vrai. Je suis trop chaud hein. Je suis juste trop chaud en fait, c'est juste ça. C'est vraiment juste le fait d'être trop chaud hein, bien sûr. Ouais. Je suis mort. C'est pas ça que je veux faire. Ok, donc ouais, je vais mourir. Mais ils disent l'eau est sale, mais en fait ça va, non? Parce qu'en fait il va y avoir des trucs dans l'eau aussi du coup. Je pige pas trop le... C'est quoi les tôles là? Ok. C'est mieux. C'est vachement dur. Putain, y'a un frérot là-bas, mais comment je vais le sauver, moi? Comment je vais revenir après si je vais le sauver, là? Oh, y'a trop de trucs que je capte pas dans ce niveau, ça me pète les couilles. Là, je peux plus remonter après si je tombe. Y'a un trou là-dessous, mais... Là, j'ai l'impression que ces trucs-là, on peut les casser, mais... Ça marche pas, en fait. Si, d'accord, il y a un timing. Il y a un timing de fou. Il y a un timing vraiment pas évident. Je crois que c'est... ça va être vraiment compliqué ce niveau les amis. On peut pas monter là-haut? Ah non. C'est bâtard d'avoir mis ça là. Ha ha!
Ok. Comment on ressort de cette merde? Non mais sérieux, comment on ressort de cette merde? Parce qu'on a spawn du plafond en fait. Ouais, donc on est obligé d'aller dans la flotte de merde là. Putain, il y a un poiscaille. Salut la poiscaille, c'est Chris. Oh là là. Putain, s'ils ont mis des trucs. C'est quoi ce bordel? Sous cette eau polluée, tu verras. Ton air plus vite. Tu perdras. Ah, il y avait un petit dauphin. Et je suis mort. Ouais, je suis mort. J'ai eu chaud. J'ai eu très chaud quand même. Bon, le petit dauphin, on peut essayer de faire quelque chose ou pas, vous pensez? Je vois même plus où il est. Ah là. Je suis coincé, au secours. Aidez Snorkel à sortir de là. Putain, j'ai aucune idée de comment t'aider, mon frérot. Non, faut que je remonte à la surface, j'ai plus le choix. Je suis mort. On est où là? On peut s'accrocher au truc du milieu? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Putain, c'est vaste, hein. C'est très vaste, hein, quand même. J'ai besoin de vie, moi? Non. Maintenant, oui. Putain, mais c'est pas vrai. Je me fais 3 dead. C'est franchement abusé. Mais c'est vrai qu'ils enlèvent deux en plus, les bâtards. J'avais zappé ce détail, moi. De toute façon, pour farmer toutes les notes, va falloir tout refaire, c'est ça qui est terrible. Merci les amis! Tenez! Ceci est pour vous! Sympa, mais t'aurais pas voulu nous aider à traverser les eaux polluées plutôt?
Bon. C'est sympa, hein, on apprécie le geste, mais voilà. Salut Lord Bandera. Je suis mort en vrai, je pense. Non, mais oui, je suis retourné sous l'eau alors qu'il fallait pas. Ouais. Dommage. Putain, le time. C'est quoi les timings qui nous filent en vrai, le jeu? Je trouve le jeu il troll un peu sur les timings qui nous filent. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise face à la quantité de trucs à faire hein, dans le niveau. Puis les notes, les 100 notes dans celui-là. Ah ouais. Hein. Plus incontrôlable en vrai, avec grand plaisir. Je crois que c'est difficile de faire un truc moins maniable que ce qui nous propose actuellement le jeu. C'est même pas amusant, malheureusement. Ok. Un gros machin avec une tête de mort dessus, hein. J'ai envie d'aller voir, mais ça sent le bourbier quand même cette affaire. Hein. Non? Ouais, bah je sais pas à quoi cette caisse peut correspondre. En vrai, on va retourner à l'endroit où il y a l'encre. Parce que... enfin, il n'y a plus l'encre, du coup. Mais... En fait, ça pourra... Si on joue pas... Si on y arrive, on pourra récupérer de la vie, vraiment. Il y a vraiment moyen de récupérer de la vie si on se gourre pas. Mais par contre, si on rate le premier... C'est un morceau de notre âme française, c'est un morceau de notre civilisation. Merci, Maxo, pour ton 42e mois. Si on rate le premier, c'est terminé, par contre. Ok. Voilà, on est full life. On est full life et on en profite pour récupérer les petites notes de musique dans le coin. En fait, j'ai compris mon erreur tout à l'heure. Mais quand même, comme on est dans un environnement assez anxiogène et tout, je trouve que c'était dur d'y penser. Mais en fait, il fallait d'abord que je retourne à la surface, récupérer de l'air.
Et ensuite, tu peux retourner sous l'eau. Mais sauf qu'en fait, c'est pas du tout intuitif parce que... Putain. C'est pas du tout intuitif parce qu'à cause des boutons sur lesquels tu dois appuyer pour progresser rapidement, même là, je me galère. C'est... Enfin, en vrai, c'est... C'est et puis la façon dont tu perds le... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre aussi la façon dont tu perds le... de l'apnée et tout, c'est un peu relou. C'est vraiment pas très intuitif en vrai. Et du coup là... Je sais pas par quel miracle j'avais réussi à faire le coup du... Ah mais si, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait là tu peux marcher. Ouais, ok. C'est que sur les autres tu peux pas et là tu peux. En fait là je veux juste voir où c'est qu'il y avait des notes de musique surtout. Parce que le reste on l'a déjà. Ça c'est pour avoir la vie. Ok. Là, on avait déjà ça. Putain, et le fait d'appuyer... Par contre, ça, c'est vraiment insupportable. C'est insup de fou. Voilà, donc là, il y a 4 notes dont on a impérativement besoin. Mais du coup, on a tout fait, là, parce qu'en fait, j'étais déjà sorti... Attends. Oui, j'étais déjà sorti par là tout à l'heure. Oui, mais il y a une autre sortie, c'est ça. C'est que là, il y a eu d'autres sorties, en fait. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas fait encore. Putain, c'est juste ça. Je suis abattu. Vas-y, on aurait dû une sortie. En fait, il n'y a absolument pas de sortie. C'était juste un monstre de merde. Et du coup, là, on est bon pour cette section, en réalité. Putain. Attends, il y avait un truc, là. Ouais, c'est juste la case de saut. Ça, je crois vraiment que c'est OK. Ah, le jeu est dur, hein. Le jeu est très très dur en vrai. C'est quoi là ici? Ok, donc là on va se grouiller de remonter à la surface en espérant survivre. Ce n'est pas dit du tout. C'est pas à exclure qu'il y a un endroit que je ne connaisse pas pour remonter plus vite à la surface. Mais en tout cas pas la ref. S'il existe. Et alors cet endroit là... Putain, j'ai failli retomber. Ça m'intéressait pas. Par contre, en fait ce frérot là... Une fois que tu l'as, comment tu fais pour ressortir après? Ah là, il y a un truc en dessous. Bon, c'est tricky, mais je pense qu'il faut le tenter. De toute façon là, c'est... le danger il est pas là. Là, on peut récupérer du... Putain, le requin. Oh, le retour du requin de merde. Donc là, il va falloir se gourer d'aller dans cette direction, là. Non, mais la cam! La cam! Pitié! Ok. Bon, vas-y, on va passer par là, ça me saoule. Ouais, j'avais oublié ça. Pas un truc à timer, please. Ça va être un truc à timer 100%. Oh non. Très bien. En vrai, c'est ça de moins dont il faudra s'occuper pour le 100%, d'avoir les deux petits trucs comme ça, là c'est pas mal. Ah, ça va nous faire chier.
Oh, ça va nous faire chier. Par contre, j'ai un peu l'impression d'être softlock. Bon, on verra après ça. Ah. Ok, la question c'est comment on sort de cette merde? Ouais, d'accord. Stop. Dites-moi pas qu'il y a un softlock dans le jeu. En tout cas, clairement, c'est l'endroit d'où je suis arrivé, je pense. Non, non. Ok. Et là, l'eau, elle est polluée ou pas? Est-ce que si je reste à la surface, je perds de la vie? Oui. Ah, mais attendez, il y a une sortie en haut. Mais non, parce que là, les fenêtres. Donc, pas de softlock, hein? Ouais. Tellement mort. Il y a un trou là-haut, mais en fait, à cause de la cam, je peux pas. En fait, je peux pas me diriger là. Je peux plus rien faire avec cette cam de merde. Il y a un trou là, je le vois, mais je suis bloqué. J'arrive pas. En fait, j'ai mis le joystick vraiment dans. J'ai mis le joystick dans absolument toutes les directions. Je vous jure que c'est vrai. J'ai mis le joystick dans absolument toutes les directions. C'est impossible de se diriger. Donc c'est FF, mais... De lock la caméra dans une zone comme ça et que ça t'empêche de monter, bah voilà quoi, salut. C'est triste, mais enfin tu peux rien faire quoi, je suis pas magicien. Vas-y, par contre je me souviens déjà plus s'il y avait des notes de musique à l'endroit où on est allé ou pas. En vrai, je suis pas sûr. Hein. Non, mais j'ai essayé même de faire des mouvements stupides et pas intuitifs. Ah merde. Comment on t'attaque, toi, alors? Peut-être on peut pas le tuer. Ouais, c'est un vrai tuyau. Hi. Non, alvéoles, on a les deux, hein. Les alvéoles, c'est le seul truc où on est au complet, là, pour l'instant. Non, il nous manque beaucoup d'autres trucs, mais pas ça. Ah, merde.
Ouais, ouais, si, si, ok. Je comprends pas comment on pouvait dodge ça du coup, mais ok. Ok. C'est pas là que je voulais aller, c'était là. Oh. D'accord. Je la trouve sus cette pièce. Bon, on y reviendra peut-être. Attends, mais nous on vient d'où? Très cesse la pièce. Ah, c'est FF. Donc c'est pas fait pour ça, ça. Ah, c'est l'autre. C'est celui-là. Non, non plus. Putain, t'es obligé d'aller jusque-là. Ok. Ça va être dur, hein, je vous le dis, hein. Ah oui. Ouah, ce niveau est complètement en train de m'essorer, c'est une dinguerie. Bon bah c'est parti. Putain il est chiant, il est pile sur mon chemin cet enfoiré. En plus, j'en ai sauvé que un seul de frérot pour l'instant. Hein. J'ai vraiment aucune idée de où sont les autres. Combien j'ai de vie là? Putain, c'est trop chiant que la cam, je peux pas la mettre derrière Banjo, ça marche juste pas.
Je peux spam R et tout, ça ne fait rien. Aucun rival n'a réussi à se hausser pour l'instant. Ok, on a capté où était le ce truc là, c'est bien. Merci Rack pour l'abonnement, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors là, on a un frérot qui est là. Là, il faut lui donner 8 œufs ici. Je peux monter quelque part là. Il n'y a pas trop d'échelle hein, ici, j'ai l'impression. Hein. Si je vais voir et qu'il n'y en a pas du tout, c'est FF. Hein. Oh, j'aurai le temps de backtrack normalement. J'aurai le temps de backtrack à condition de partir maintenant. Allez. Ok, on commence à comprendre. Pour Dylan, bien sûr, Rag, je comprends. Il y aura beaucoup à apprendre, hein, je te le dis, les tutos de Dylan, ça va bien t'aider, je pense. Merde. Faut aller sur cette caisse-là pour remonter. On commence à comprendre l'ensemble des trucs qu'il y a à faire. Hein. Là, il y a encore deux trucs que je comprends pas. C'est la cage. Et... un autre truc. La cage et... à l'intérieur, il y a un truc que je comprends pas aussi. Alors... On continue avec une même volonté. Merci Alex pour le 11e mois. Assure que Banjo-Kazooie en fond soit très reposant comme ambiance sonore, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et merci beaucoup. Mais effectivement, c'est peut-être pas le plus reposant. Surtout moi sur ce jeu, hein, je pense que c'est encore pire. Hein. Je pense que clairement, on est sur l'inverse de quelque chose de reposant, effectivement. Ouais. 8, c'est quand même pas donné, hein. Mais vas-y, hein. La cam, ok. La cam est désastreuse, hein, je le dis cash. On en a que 2 sur les 5. Mais what the fuck. On en a que 2 sur les 5 là. Ça par contre ça m'inquiète un peu hein, j'avoue. Hein. Ça sert à quoi ça. Ah faut faire un mouvement genre... Hop là, voilà.
Là, pour moi, ce passage-là, il sert à rien. Il y a d'autres façons d'accéder à cet endroit-là. Ah ouais, d'accord. Le premier, il est rentré. Tu sais pas pourquoi, les autres, non. Non, mais en plus, t'es mal à la taille du passage. Non, c'est trop grave. Non, là, non, 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 mais oui, bah forcément. Mais évidemment. En plus, ça sert à rien, regardez, là, on peut passer là. On peut aller chercher l'échelle ici. J'ai fait le pire investissement jamais fait dans l'histoire de Banjo-Kazooie. Attends, il y a un truc, là. Ouais, là, il y a un truc qu'on n'a pas fait encore. Y'a que ça? Oh le scam. Il a l'air d'avoir un truc au plafond quand même. En fait, il y a aussi toutes les caisses, mais j'ai la flemme de tenter genre de faire ça sur toutes les caisses, alors qu'il y a genre 800 caisses dans le niveau. Mais bon. Vas-y, on va regarder quand même par curiosité, là, ouais, voilà. Ah. Ah oui, et non, d'accord, et après ce container là, tu rentres comme ça dedans, d'accord. Il y a du bruit en dessous. Mais on est vraiment censé jouer comme ça avec la caméra de merde, là? Ouais, il y a beaucoup de patounes dans le jeu. Hein. Après, il y en a, c'est pas des collectibles, c'est juste des munitions aussi. Ça, par exemple, c'est pas des collectibles en soi. Ça, c'est des semi-collectibles. Ouais, ok, ça fait peut-être beaucoup. Je sais pas où il est le frérot qui me siffle hein, depuis tout à l'heure. On sait qu'il y a un frérot à sauver, on est sûr de ça, on l'entend. Mais alors où? On va essayer d'avoir une meilleure vue, mais... Non, bah ça c'est d'où on vient. Ah, il nous siffle, hein. Ok, 3 frérots, c'est pas mal, sachant que les frérots, il faut essayer de tous les sauver en... Comment expliquer? Il faut essayer de tous les sauver sans mourir, parce que comme ça, après, on a débloqué leur truc et on est tranquille. Mais en vrai, de toute façon, il nous faut toutes les notes de musique et ça, quel enfer. Là, il aurait limite fallu noter, quoi, les trucs qu'on avait fait et les trucs qu'on n'avait pas fait, tellement il y en a. Vas-y, celui-là. Il y a des abeilles. Ah ouais, ok. Oui. Ah putain, il y avait un passage là, je suis con.
Ça passe pas là pour monter. Ah si. Ok. Ça me paraît léger, toute cette affaire. Rien d'autre à faire ici? En vrai, peut-être. On peut pas vraiment passer là. On peut pas vraiment passer là, j'ai l'impression. Bizarre la façon dont c'est foutu ça. Bon vas-y, admettons qu'il n'y a rien d'autre ici. Pour l'instant, on va sortir. J'ai peur d'aller par là et de pouvoir jamais sortir. Wow. Comment on rentre à la maison là? Putain, j'avais jamais pris celui-là. Ok. Faudra aller le prendre, hein. C'est toujours bien ça. En tout cas, il y a l'air d'avoir un peu un consensus dans le chat sur le fait que c'est le niveau le plus dur du jeu. Merde, c'est vrai, on peut pas sortir par là. Il y a encore quelques mystères que je n'ai pas élucidés sur ce niveau, quand même. C'est quoi celui-là déjà? Putain, ouais, il y a des notes de musique là-haut et c'est tout, je crois. Vous ne le connaissez peut-être pas, sauf si vous avez lu l'Express en février 2014. Merde. Merci, Arcanic, merci beaucoup. Il nous manque quand même quelques trucs, un peu trop selon moi. Mais je sais pas quoi faire dans quel ordre. Allez. Retour au bourbier. Pff, je vais tellement perdre sur une connerie, c'est sûr. Pourquoi il saute pas? Vas-y, je suis dégoûté. Pff, ça me casse les couilles, franchement. Je suis désolé. Mais ce niveau est vraiment à chier en vrai.
Vas-y, on va aller débloquer. De toute façon, ça change rien. Parce qu'en fait, si on veut faire le 100% des notes de musique, on va forcément être baisé. Il y a forcément... On va forcément se faire baiser par un truc dans ce genre-là. Ah, vas-y, commencez. Casse-couille, sans déconner. J'aime pas trop le... En fait, je trouve le pur plateforme dans ce jeu, il est pas ultra fun à cause, bah, notamment de la caméra, mais pas que. Mais aussi des... Juste de l'imprécision de plein de trucs. Ouais, vas-y. Du coup... Là, la cam. Ouais. Je pense que j'aurais dû aller péter l'autre en premier. Ouais, c'est pas grave. Je comprends toujours pas comment t'as le milieu aussi. Je comprends toujours pas comment t'as le milieu. Mais je pense que c'est un truc à désactiver quelque part dans le jeu, hein. Enfin quelque part dans le niveau genre. Donc là il s'arrête pas droit donc il faut pas y aller, je sais pas ça. Ça j'en sais rien j'avoue. Je pense qu'il faut qu'on s'entraîne à y aller parce que quand on va avoir le timer, il va falloir se bouger le cul, donc Ouais, non, c'est impossible. C'est impossible. Dès que le machin... Mais je comprends pas ce truc. Dès que le truc, il est un peu oblique, en fait, tu peux pas y aller. Donc... Enfin, franchement, pas la ref. Pas la ref de ce qu'il faut faire à... Bon. Ouais, les notes retombent à zéro à chaque fois, ouais. Donc c'est un peu un enfer. Oui, bah oui. Là, c'est parfaitement droit. Ah, il me manque des trucs parce que j'ai pas la ref de plusieurs... Donc là, clairement, il se met pas droit du tout, donc il faut rien faire, je pense. Mais comment je vais faire, moi, s'il se met pas droit au moment où j'en ai besoin, genre. Là, j'aurais pu y aller, probablement, je sais pas. Le timing est horrible en plus de ça. Celui-là, on essaiera de se souvenir qu'il existe, mais on le prendra plus tard. Hein. C'est bon. Hein. Ok, on va retourner en arrière du coup. Thank you.
Il a clairement un endroit où y aller, lui. Oh, je sens le bourbier de la cam de merde. Oh non, pitié, non. Ah oui, d'accord, ça reste fixe du coup. Ça non, d'accord. Oh la randomitude. Oh la randomitude des trucs qui restent fixes et des trucs qui ne le restent pas. J'ai pas tué les bestioles. Je sais pas dans quel sens faut aller, je suis perdu, j'ai pas de sens de l'orientation. J'arrive pas à me diriger, bien sûr. Hein. Bon, au moins, il n'y a plus à refaire ça. Au moins, il n'y a plus à refaire ça, si je comprends bien. Dans la logique des choses, on n'a plus à refaire cette énigme-là.